Hello tout le monde, c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs. La dernière fois, on avait promis à ce fameux T-Bone Raymond Kenny qui est l'inventeur du système CityOS. Il avait travaillé auparavant pour Bloom. Il avait conçu le fameux système CityOS qui permet de connaître toutes les informations privées des différents citoyens de Chicago. Mais après avoir créé ce fameux système, il a pu voir tout le potentiel négatif aussi de cette fameuse invention et il a décidé de détruire sa propre invention pour éviter que Bloom ne puisse s'en servir à l'encontre de la population. En effet, le fameux Raymond Kenny s'appelle T-Bone, on l'avait retrouvé ici à Poney. On avait retracé sa dernière adresse IP, enfin sa dernière... Il est dans le coin. D'accord. Il ne reste plus qu'à le trouver. Bon, apparemment il y avait un creep détecté dans le coin, ce qui fait que je lui ai fait très peur. Et apparemment il s'est cassé, bah tant pis pour lui. Voilà, ce personnage Raymond Kenny ou T-Bone va pouvoir nous aider à essayer de décrypter des données que l'on a récupérées chez les Viceroy, le gang de Chicago. Des informations qui pourraient nous être très utiles pour pouvoir retrouver la personne qui serait à l'origine de l'assassinat de la nièce d'Aiden. Voilà entre autres. Sinon, eh bien Damien détient toujours notre sœur, hein, apparemment. Donc, bah voilà, on a toujours pas trouvé le moyen de... Ah, il y a une petite cascade. Ah, sympa cette vue. On a une vue sur la ville. Ah, c'est pas le même endroit que la dernière fois. Oh, oh, vous avez pas vu? Regardez. Oh, ça, c'est encore une dédicace à Axel. Regarde ce fameux t-shirt, Axel. Oh là là, je vais te l'offrir. Des bras... Des bras collés adore les chevaux aussi, Axel. Eh bien, vous ferez un très beau couple. Ah là là, n'importe quoi. Ah bon, en tout cas, il est très très kitsch son pullover. Yeah, come on, yeah, c'est trop cool. Alors, c'est quoi Paradis Parano? On est dans un endroit assez escarpé à Poney. Il faut donc une autorisation de sécurité pour le QG de Bloom. Partout où je regarde, Bloom est impliqué. Ces types préparent quelque chose et je sens que ça va plus loin que le CityOS. J'espère que T-Bone sait ce qu'il fait. Ok, je suis en position. C'est quoi l'histoire? Ah, il y a des aliens, j'ai même pas vu. Attends un peu. What? Et je fais comment pour le suivre? T'es mignon, toi. Et moi, je pourrais pas passer à travers l'océan, hein. Faut pas déconner non plus. Ah! Voilà, c'est n'importe quoi. Cette voiture est incontrôlable. Je le confirme. Et pourtant, c'est la voiture avec laquelle j'ai atteint cet endroit. Je croyais qu'on allait rester à cet endroit précis, mais apparemment, non, ce n'est pas le cas. Il va falloir que je file cet hélicoptère. Est-ce que je pourrais avoir un hélicoptère, moi aussi? Non, ce n'est pas possible. Parce que oui, dans ce jeu, vous ne pouvez pas avoir accès aux hélicoptères. Non, non, non. Hein, faut pas rêver non plus. Vous avez accès à différents véhicules, bah, les voitures hein, généralement, les motos, et puis c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Hein. Vous avez des camions, mais bon. Y a un but à ce que je fais, au moins. On va dire qu'il n'y a pas trop de logique à ça. Enfin, logique. On les utilise jamais. Hein. Généralement, on n'est pas fou au point de se dire je vais prendre un véhicule extrêmement lent. Hein. Oui. Donc en fait, il va nous mener directement au chef de la sécurité. Voilà. Tu vois quand tu veux. Et pourquoi ils surveillent Poney hein? C'est pas comme si c'était un endroit hyper... avec beaucoup de délinquance. Quoique, on ne sait jamais. Hein. Derrière cette apparence de coin totalement paisible, on pourrait aller faire bah, pêcher, planter notre tente et puis faire du camping, des barbecues. Et je fais n'importe quoi. Je le confirme. Alors, bah heureusement qu'ils sont pas trop méchant avec moi en termes de pour pouvoir filer l'hélicoptère parce que franchement j'étais pas mal parti. On repasse par ce fameux pont.
Alors apparemment cet hélicoptère reçoit différentes instructions, des nouvelles instructions chaque jour. Et il va nous mener vers le fameux chef de la sécurité. Alors je sais pas à quoi ça servirait, mais apparemment pour T-Bone c'est d'une importance capitale. Il survole un terrain de caravane. Pas mal d'entre eux qui vivent là, dans ce paradis pour parano. Donc, l'un d'eux est le chef de la sécurité. Et il a accès à tout. J'en frémis d'impatience. Tu te rappelles des types qui protégeaient le camion? Eh ben, c'est les mêmes. La milice de Pony, c'est des survivalistes. Des mecs anti-gouvernement. Ah bah, ça commence bien. Comme moi, quoi. Oh, super. Pour résumer, ils déconnent pas. Ils tirent d'abord, et après, ils posent des questions. Après, c'est quand même difficile de poser des questions si la personne n'est pas très, très en vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors. Non, ça, on s'en fout. On s'en fout de ta vie. Non, tais-toi. Depuis les airs. Ah, ok. Alors, comme ça, l'un de vous est le nouveau chef de la sécurité. C'est toi ? Ah ! Celui-là a du potentiel. C'est lui. Où est-ce que tu te caches? Je sais pas où il pourrait se cacher. Peut-être pas ici. Oh, bonjour toi. Ça c'est Maurice. Notre pote. D'accord, alors Maurice était, comment dire, dans une situation assez compliquée, apparemment. Il commençait à péter un peu un câble, juste un tout petit peu. Hein. Bon, par contre, apparemment, il y aurait une deuxième personne, mais je n'arrive pas à la retrouver. L'hélicoptère arrête pas de bouger, ça m'énerve un peu. Ce serait juste cool que tu arrêtes de bouger juste deux secondes, parce que là, vous savez quoi, on va arrêter avec l'hélicoptère. Bah, en fait, non, on n'aurait pas dû arrêter avec l'hélicoptère. C'est pas toi là? Afin de. Mais je fais quoi avec lui là? Faut peut-être que je pirate son truc. Attendez. Allez, viens plus par là-bas. Non! Là-bas, je te dis! Et ça fait quoi si j'utilise là? Bah non, à mon avis, il voulait qu'on retrouve une autre personne. Je vois que lui. Utilisez le profiler depuis les airs afin d'éviter d'être repéré. Oui, certes, mais encore. Et là-bas, là, il y a quoi? Pourquoi tu veux pas y aller? Vas-y, là-bas! En face, tout droit! S'il te plaît! Spécialiste exécuteur, je lis les classes hein, sur le côté. Pourquoi hors de portée? Je peux pas. Bah là-bas c'est trop loin là, vous voyez. Je sais pas trop. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Même si c'est marqué, je vois pas. J'arrive pas à capter. Il faut que j'ai des. Non, que je les tue pas. Utilisez le profiler depuis les airs. Bon, bah, je sais pas.
Je ne vois pas ce qu'il faut faire. J'ai repéré un peu tout le monde, mais bon. Bonjour. Alors, il y a moyen de perturber les communications de celui-là. J'aimerais bien, genre, le taper à la main, histoire de... Par contre, lui, il pourrait me voir, quoi. Bonjour. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah! Bah, mais si je l'ai identifié à les chefs de la sécurité. Ah bah fallait me dire, il y en avait plusieurs. J'aime bien, il me disait le chef. Alors, pour moi, il n'y a qu'un seul chef, mais apparemment, il y en a plusieurs. Hein, deux chefs. Il survole un terrain de caravane. Deux chefs. Ah, ça devait être marqué tout en haut. Ah non, même pas. Non, bah non, c'était marqué pendant un temps, mais ce n'était pas le cas. Par contre, le deuxième, je sais pas où il est, quoi. Le premier, je vois. Il est facile à trouver. Par contre, le deuxième... Bon. Mais encore, moi je veux repérer ce fameux type. Voilà. Mais je vois pas où il peut être le deuxième, quoi. J'ai du mal à savoir. Parce que j'ai beau faire le tour de toutes les caravanes, ça a pas l'air d'être... Bon, on va utiliser toutes les caméras dans le coin. On s'en fout. Attendez, il y avait une autre caméra là. Non, c'était faire exploser. Alors attendez, bah ils me disent utile. L'un de vous est le nouveau chef. Le nouveau chef. Vous voyez, ça portait à confusion. C'est pas les nouveaux chefs, c'est le nouveau chef, il disait. Bon alors, par contre, ce serait cool que tu ailles là-bas, là, tu vois. Ça, c'est le premier. Mais en fait, il y en a deux. Je suis pas au courant. Par contre, c'est casse-bonbon, là, avec l'hélicoptère. À tes tendances pyromane. Eh bien, c'est sympa. Vous engagez du personnel très, très compétent, à ce que je vois. De toute façon, la zone, elle est pas énorme, donc j'ai du mal un peu à... Celui-là a du potentiel. Ouais. Qui d'autre? Bah le deuxième, il est bien caché, comme je vous dis. Allez, où est-ce que tu te caches? Je sais pas, tu pourrais pas me donner un indice, ce genre à droite au fond du jardin, j'en sais rien, moi. Allez, s'il te plaît. Aie pitié de... Parce que ça fait genre 12 minutes que je cherche ce fameux type. Je le trouve pas, là. Ça y est. Ah bon? Où ça? Là? Et pourtant, je suis passé là 36 000 fois. Ça peut pas être juste un club de tir. Il contrôle plus de la moitié du terrain. Eh ben, dis donc, il était difficile à trouver le deuxième, et j'avais beau passer la caméra dessus, ça faisait rien du tout. Oui, certes. Et donc là, ce que je fais, là, je fais quoi, maintenant? Neutraliser. Maintenant, je peux y aller, ou... Hein? On sait jamais, hein. Dans ce jeu, à chaque fois, il nous fait de faux espoirs. Donc, on va réessayer la technique qu'on avait tout à l'heure. Oh, c'était juste ça. Allez, vas-y. Il se passe quoi, là ? Alors, bonjour, au revoir. On va essayer de se faire le costaud à main nue aussi. Peut-être j'aurais dû me planquer là-bas. On va déclencher l'alarme, il va se retourner vers le véhicule. Par contre, il faudrait juste qu'il vienne... Ah merde, il va voir le cadavre. Qui est là? Oh non, j'étais... Oh, je suis repéré. Bah vas-y, tue-moi, autant... Autant m'assassiner, quoi, parce que ça sert à rien. Ouais, voilà, tue-moi, parce que... Voilà, merci beaucoup, au revoir. Oh là là, au secours! Ah ouais, donc ceux-là, on peut pas les faire à main nue, donc forcément, je suis obligée de faire du bruit. Ou soit, j'attends vraiment qu'ils... Ah
Ah non, c'est bon, je croyais que j'allais me devoir me retaper les deux personnes à essayer de... Par contre, l'hélicoptère, il me voit. Enfin, apparemment, je crois que c'était lui. Ouais, c'est ça, hein. C'est l'hélicoptère qui me voit. Je peux pas bidouiller un peu l'hélicoptère ? Si je dois en plus gérer l'hélicoptère, on va pas y arriver. Ah ! Il est où le véhicule ? Elle, par contre, elle peut rentrer, y a pas de souci, quoi. On s'en fout. Par contre, moi, ça marche pas, c'est ça. Par contre, là, le souci, c'est que... j'ai pas tous les ennemis en visuel. Eh oh ! Ah ouais, y a un... Ah ouais, d'accord. Je vois, en fait, vous verrez pas, mais il y a un type avec une arme à feu. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Bah vous savez quoi ? On va gérer à l'ancienne. Et on peut pas passer par là. Ah ! Ah ! Ils ont bien pensé la carte. Bon. Je vois pas. Le type est pas là. Il est de l'autre côté, au niveau de l'hélicoptère. Bah là, il est de ce côté là. Là. Non. Ah. Ah non. Oh, bah non, il y a l'autre costaud qui arrive. Oh mince, il a vu le cadavre. Vite. De proximité, vite. Qu'est-ce que tu fous? Oh mince. Bon, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Bon, hein, vous savez quoi? Aïe 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 aïe. Bon, je crois que je suis foutu encore une fois. Ouais! Oh là là! Mais c'est pas possible! Oh mais my god quoi. Bah c'est bien, hein, y a du challenge, hein. ça je le conçois. Par contre, alors franchement, là mon prochain objectif c'est de péter cet hélicoptère à la noix. Et encore, là je reste poli. Non. Bah le souci c'est que... Ah ouais, et puis j'ai pas récupéré des munitions pour... Ah si, bon apparemment j'ai des munitions pour le sniper. Allez, au revoir, merci. Trouvez-le. Merde, j'ai bien cru que... Merde. Voilà. En tout cas, l'hélicoptère va plus m'embêter, ça c'est sûr. Par contre, j'espère que l'autre, il va pas partir en voiture. Bon. Alors, là peuvent commencer les réjouissances. Vas-y, rapproche-toi de la voiture, c'est une bonne idée. Vas-y, va voir. C'est une bonne... Par contre, là, je peux pas activer le EI, là. Ah mince, je suis en train de bousiller des EI pour rien. Et pourquoi je peux pas? Oh mince, je me suis fait repérer. Oula. Laissez tomber. Poursuivant semé. Oh, c'est un peu l'anarchie. Alors, pirater. On va le pirater. Merde, c'était pas lui. Ah bah forcément, c'était l'autre type, c'est ça? Alors en fait, les EI proximité, bah, c'est quand il y a un ennemi qui passe à côté, en fait, ça le déclenche. J'avais pas fait la différence, en fait. Il fait « Oh tiens, j'ai senti une balle qui est passée à côté de moi !» Allez, vite. En plus, ça a fait une diversion, donc il y a moyen que je me rapproche de l'autre. Oh, vite, vite, passe de l'autre côté de...
Ouh, c'était juste. Ah non, je le verrai pas d'ici. Non, bah apparemment ça. C'est lui. Ah! Alors, voilà, voilà. Je suis quelqu'un de totalement incognito vite, merde. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Applaudissements et commentaires. Ouais, elle a réussi la mission. Ouais, elle a réussi la mission. J'ai enfin réussi cette mission. Punaise, j'ai jamais autant galéré de toute... Non, pas dans l'eau. Nickel. Vous êtes trompé de route. Je vous ai feinté. Non. Cassez-vous. Oh, l'idée de... Oh, l'idée pourrie, quoi. Bonjour. Bonjour, je suis poursuivi. Ça se voit énormément. Oh, c'est quoi, ça? Ok. Ah, il y a un tapis roulant et tout. C'est marrant, ça. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Oh là 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 là, je crois que je me suis embourbée dans un endroit. Au secours! Oh non! Oh là! Bah, je suis déjà sortie, hein! Ils ne me voient pas. Ils ne m'ont pas repéré. Ils ne me retrouveront jamais. En espérant que ça leur suffise. Apparemment, ils ont l'air totalement perdus, hein! Est-ce que ils vont me lâcher comme ça? Moment de stress? Moment de suspense? Si, si, je me suis envolée, mais si tu veux, je suis pas allée bien loin, j'ai atterri dans l'eau. Donc c'était une course-poursuite, ma foi très, très honorable, très intéressante. Mais apparemment, ils vont pas me lâcher. Hein. Putain, comment il a réussi à nous échapper? Ah, si! Oui! J'ai réussi! Allez, 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 allez. Punaise, bon, une horreur. Oh. Désolé d'avoir douté de toi. Moi j'ai douté de moi au bout d'un moment. Écoute, je suis en train de créer un virus qui va m'effacer de leur système. Oh, je suis trop fort. Oh, bah toi t'as rien fait quoi. Derrière ton bureau, derrière ton ordi, t'attends que tout arrive, c'est ça? Ça c'est une bonne question. Je crois qu'on peut dire élevé. Ok. On va réduire leurs effectifs, alors. Tu pourrais tracer leur camion de livraison? Y a intérêt. Envoie les itinéraires, on va aller les secouer. Non, je vais aller les secouer. Y a que moi qui va faire cette mission. Y a que moi qui tue les gens. Je suis toujours toute seule. Après, bah forcément, hein, le jour où je me fais attraper, bah les autres ils vont se dire « C'est elle qui a tout fait! C'est elle qui a tué tout le monde !» Et ils auront bien raison. Bon, bah c'était laborieux. Mais alors, très laborieux. Déjà, pour trouver l'autre chef de la sécurité, ça a été un vrai casse-tête. Ça, ouais. c'était costaud. Hein. Après, bon, en lui-même, en elle-même, la mission n'était pas si difficile que ça. Hein, si on y réfléchit bien. C'est juste que, bah, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à trouver l'autre personnage alors que l'hélicoptère faisait le tour du campement, mais... Voilà, comme quoi j'avais pas réussi à repérer l'autre chef de la sécurité. Parce que oui, il y en avait deux, c'était là où il y avait la feinte. Pour voir si j'avais bien lu toutes les instructions. Et forcément, dans un jeu, on lit toutes les instructions qui apparaissent à l'écran et qui disparaissent, bien sûr, et qui ne réapparaissent jamais. Ce qui fait que quand on a une petite consigne, eh bien, il nous reprécise pas une nouvelle fois qu'il y a deux chefs de la sécurité. Non pas un, mais deux pour le prix d'un. C'est génial. Qu'est-ce que je peux vous dire? Juste que ça a été aussi laborieux que la dernière fois. C'est pire en pire. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a du challenge. Ça c'est indéniable. C'est-à-dire que les ennemis, vous faites pas le malin, quoi. Vous pouvez pas aller à la Rambo et puis tuer un peu tout le monde. C'est pas possible. Vous n'avez pas une vie illimitée. Vous pouvez pas vous restaurer de la vie. Ça, c'est pas possible. Elle remonte toute seule, certes, ça c'est extrêmement étrange. Mais quand vous vous faites tirer dessus, bah voilà, au bout de 4 fois, bah c'est cuit, quoi, vous mourrez. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Après, bah voilà, il faut gérer, quoi. Faut penser à sa stratégie, et puis il faut réussir à s'en sortir dans tout ce forbé, hein. Vous voyez un peu le bazar qu'il faut faire. Bon, bah je vais vous laisser là-dessus.
La prochaine fois, eh bien, on va s'attaquer à quoi? Encore à des assassinats et à des explosions en tout genre. Alors après, c'est sûr que là, niveau matos, j'ai plus grand-chose. Je crois que c'est surtout... Scan City, ouais, si jamais c'est... Peut-être que ça m'aiderait en plus. Faudrait que je fasse ça une autre fois. Faut que je dise ça à chaque fois, mais... Que dalle! Que dalle, mon grand! Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!